Knoss Tourer Van 500 MQ, un véhicule sur base Volkswagen. Et la largeur 2m16 et la hauteur 2m91. Donc quand on entre dans ce beau petit véhicule, le salon, petit salon, deux places là, deux places là. Donc la table, il y a un système ici de rallonge qui tourne. Donc avec la rallonge, on est pas mal. Alors en fait, je suis surpris. Ouais, non, c'est ok. Je vais voir après. Donc la rallonge est sympa. Hein. C'est, on est bien là. Hein. Il y a un accès facile au réfrigérateur. Et... donc le réfrigérateur dans l'entrée, c'est un réfrigérateur, comment dirais-je, à compresseur, à compression. Petit réfrigérateur, donc si je vais vite sur la cuisine, deux feux, un petit évier. Au-dessus de la cuisine, un peu de rangement. Et ici, un tiroir avec range couvert, un tiroir avec rien, et... pas de tiroir, un faux tiroir. Alors ici on a un accès à un rangement. Alors c'est penderie, en réalité penderie rangement. Et puis il y a une soutane en même temps. Et ici il y a un genre d'escalier qui peut être amené. Bon, il faut que ce soit bien. Voilà, il arrive là. Je vais pas le casser, mais il y a un petit escalier qui se met en place là. Alors ce véhicule a un grand lit. À l'arrière, hein. Les doubles à l'arrière. Et ici, il y a trois rangements. Il y a une petite niche là, des liseuses. Donc tout le confort. Et puis avec cette marche là, c'est en principe... bon, elle est un peu branlante la marche, hein. J'espère que c'est solide. Mais normalement, on rentre assez facilement dans le lit. Alors ce lit, il a une particularité. Hein. C'est qu'on enlève ce système et là en dessous, on a la moitié de la douche. Parce qu'en fait, le cabinet de toilette ici, il est là, mais il est extensible. On voit la moitié du cabinet de toilette ici et en bas. Et ça remonte, ça remonte, ça remonte. Donc si je vais à l'intérieur, on voit comment c'est quand c'est fermé. Là, il n'y a que la fonction lavabo et toilette. Et encore, la fonction lavabo, elle est là, mais on peut aussi la faire partir. Et alors sinon ici, il y a une belle vitre pour s'admirer et puis des niches pour ranger des petites bricoles. Alors si je veux aller aux toilettes ici, je vais essayer de voir si on peut faire enlever le lavabo sans changer la douche. Donc a priori, moi j'ai réussi à bouger le lavabo comme ça. Donc est-ce que c'est le truc normal pour s'asseoir dans les toilettes? Ou est-ce qu'on peut le retirer un peu plus? On voit ici la douche qui est à moitié fermée, quoi. Si je veux donc faire aller le système avec la douche. Alors ici, je viens de libérer la douche en soulevant ici cette poignée là qui ouvre totalement cette douche. Et donc on a une douche qui apparaît. Et c'est quand même assez génial. Bon, avec ici ces systèmes, hein, du coup. Donc ici on a les fermetures. Bon, juste sur le haut ça donne ça. Ah, j'ai pas dû l'ouvrir correctement la douche. Je vais recommencer. Bon, il y a peut-être un peu de jeu, donc je vais pas fermer les demi-portes et les demi ici, mais on voit un peu ce que ça donne. Hein. C'est pas mal, hein. Par contre, il n'y a pas d'ouverture sur le dessus. Ils auraient peut-être pu mettre une ouverture sur le dessus. Là, ici, il y a un lanterneau. Alors, le système avec le lavabo, il est hyper bien fait aussi. Hein. On voit ici le lavabo qui bouge. C'est pas merveilleux, ça. Et là, hop, on se débarrasse du lavabo. Ah, il n'est pas dans la position maximale. Je ne sais pas s'il est dans sa position maximale, là, c'est possible. J'avais l'impression que de l'autre côté, il allait plus loin, mais je n'ai pas envie de forcer. C'est pour ça. Et donc on se débarrasse du lavabo.
ou alors on réintègre le lavabo. Voilà, c'est pas mal fait, hein. Et il y a des rangements ici. Alors quand la douche est ouverte, on voit ici tout ce qu'on a perdu. On peut dormir à une personne là ici, mais pas deux. Donc si on est tout seul, c'est bon, on peut ouvrir la douche et la laisser ouverte tout le temps. Sinon, ben, on est obligé de faire la petite manip. Mais la manip, elle est rapide, hein. Ça prend 10 secondes. Le seul souci, c'est qu'il faut juste avoir des matelas qui sont protégés avec des draps adaptés. Parce que c'est des blocs, en fait, hein. On a trois blocs, trois matelas, en fait. Mais j'imagine qu'on peut trouver peut-être les matelas qui vont avec. Enfin, les matelas, les draps. Ah, ici, je referme le... Je referme le système. Là, je le referme à moitié. On voit ici qu'il est en train d'être baissé. Et on voit le support du lit, en fait. On voit comment ça marche, là. Là, il est presque fermé. On voit ce que ça donne, là. Ouais, je vais le terminer. Ici, juste avec une main, j'ai... Enfin, c'est un super, super système, hein. C'est pas mal. Seul petit défaut, peut-être, passage de roue, là, qui est bon, pas ultra bien négocié, mais bon. Donc un beau véhicule, après, quand on veut refermer, il y a un scratch ici, et ici, on ferme. Donc on voit ici les demi-portes pour la douche. Donc on voit bien que quand on prend sa douche, en réalité, on est bien là, en fait, hein. Au niveau du lit, voilà, beau véhicule, belle expérience si on a des sous.